Alors, nous sommes au marché de Noël de Cassis-Voisins. Tout à fait. C'est tôt ? C'est tôt, mais en fait non, parce que beaucoup de marchés de Noël ont commencé le 10 et le 11 novembre. Et déjà ? Déjà, ouais, ouais. Et nous, on veut laisser en fait nos commerçants aller sur les plus grands marchés durant le mois de décembre. Donc finalement, c'est pas si tôt que ça, vu qu'ils vont sur des marchés de Meaux, les grandes communes et tout. Donc on a quand même pas mal de monde. Très bien. Et en fait, ce marché, c'est des commerçants de Cassis ? Alors, c'est pas que des commerçants de Cassis. On est à 95% de commerce de Seine-et-Marne. Donc, on a privilégié la proximité, le fait que voilà, il soit accessible à la population, même en dehors du marché de Noël. Donc, voilà, 95% sont de Seine-et-Marne. D'accord. J'ai vu, il y a beaucoup d'artisanat. Il y a beaucoup d'artisanat, il y a beaucoup de gastronomie. On a vraiment cherché à faire quelque chose qui touche un petit peu tous les services, tous les styles de l'artisanat. Ça va de la maroquinerie avec voilà, des ceintures ou de la chaussure, en passant par une créatrice en céramique, du tricot, de la couture et plein d'autres choses. Les bougies aussi, tout ça. Oui, puis il y a même des boules de Noël, j'ai vu. Il y a aussi de la décoration de Noël, les boules, les petits anges aussi de Noël. Et tout ça, c'est fait main. Voilà, c'est une chose qu'on voulait vraiment mettre en avant. C'est bien. Et j'ai même vu une cavalière. Ah oui, alors ça, c'est Cléa et son cheval Jazz qui sont passés en fait toute la journée. Elles ont fait deux représentations de voltige lors du marché de Noël dans un parc qu'on a juste à côté. Elle a eu beaucoup de monde et elle vient de Savigny-le-Temple. Et on la remercie beaucoup d'être venue, ça a plu énormément et elle déambulait à travers les allées. Oui, parce que quand je suis arrivée, elle était là. Oui, tout à fait. Oui, 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 elle se promène. Ouais, c'est voilà. Bien. Bien, nous sommes en direct du marché de Noël de Cassis-Voisins. Oui, oui, déjà un marché de Noël. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes au marché de Noël de Cassis. Tout à fait. Et vous nous montrez des belles choses, apparemment. Voilà, donc production entièrement maison, que ce soit les macarons, le nougat de Montélimar, les truffes,
on va dire tout ce qui est confiserie, chocolat et mignardise de Noël, quoi. Et par exemple, j'ai vu là les sucettes, là, c'est oui, joli, sucette, ça. Sucettes entièrement fait main. Donc tout ça dans des moules, en travaillant le chocolat avec des cornets pour faire tous les petits motifs et après le moulage par-dessus. Donc beaucoup de temps, beaucoup d'application, mais un beau résultat à l'arrivée. C'est très Noël, hein. Oui. Vous avez d'autres choses sur Noël, là? Après, on a tout ce qui est les gourmandises traditionnelles, hein, qui font partie des fêtes. Donc, ouais. On a les truffes au chocolat. On a les orangettes, qui ont été finies hier, donc après une semaine de passage au sirop. D'accord. Donc, même là, les oranges, on est sur de l'orange bio non traité. Donc, après, bah, le travail dessus. Donc, après, on a les fritures de Noël, les guimauves, là-bas, enrobées de chocolat. Ah oui. Et nos traditionnels pots de caramel au beurre salé. D'accord. Et on peut vous retrouver où alors? Alors sur notre Facebook et Instagram, les délices de Jackie et Christine. Sinon, prochainement, on sera sur les marchés de Noël. Condé-en-Brie. Et après, les marchés de Noël de Saint-Rémy-de-la-Vanne, Fontainebleau et Jouarre. Ah, très bien. Voilà. Parce que, en fait, d'habitude, vous êtes où? En fait, on n'a pas de boutique, on fait vraiment dans des événements, marché de Noël, foire du terroir, gastronomique, et beaucoup après sur commande. Ah, très bien. Voilà. Et donc, s'ils veulent commander, les gens, il faut passer par les réseaux sociaux. Voilà, ils vont sur nos réseaux sociaux. Là-dessus, dessus, on notifie. C'est souvent toutes les créations que je fais, je les mets sur Insta. Ce qui fait qu'après, elles sont transférées automatiquement sur Facebook. Et par exemple, là, ça va bientôt être les fêtes de fin d'année. Donc, sur notre Facebook, on va mettre un bon de commande. Comme ça, pour les clients qui désirent commander quels que soient les produits et qui habitent dans un rayon de 40 km autour de chez nous, bah, la veille de Noël, je fais les livraisons, un circuit pour livrer justement tous ces produits-là aux gens. Ah, très bien. Voilà. Ah, bah, je pense qu'on va pouvoir dire aux gens joyeux Noël, alors. Ah, bah, j'espère, hein. Fabrication artisanale. Bonjour. C'est très joli ce que vous faites. Merci. Tout est artisanal d'après ce que j'ai vu. Et vous êtes de la région? Neuilly-sur-Marne. Neuilly-sur-Marne. Très bien. Et donc vous faites ça tout le temps ou... Non, j'ai un métier à côté, je le fais en passe-temps pour me détendre. Ah oui. Voilà. D'accord. C'est un passe-temps qui prend quand même beaucoup de temps. Bah, c'est bien. Et en fait, votre spécialité, c'est quoi là? C'est tout ça ou c'est... Enfin, je fais plus des compositions féeriques, en fait, avec site féerique. Avec les fleurs? Les fleurs et les fées. Ah oui, les fées, là. D'accord. C'est très joli. Hein. Ça fait très Noël. Et ça, c'est vous, Noël, aussi là? C'est beau. Alors, bonjour. Alors, vous êtes de Cassis et oui. Vous êtes au marché de Noël. Au marché de Noël, et je fais le haut marché aussi tous les deuxièmes samedis du mois à Cassis. À Cassis. Exactement. Et en fait, vous faites quoi alors? Donc, vous... je fais du thé, donc du thé vert, du thé noir, du thé blanc, rooibos et infusion,
qu'on met dans une boîte qui est recyclée et compostable. Donc il y a zéro déchet. On boit notre thé et on peut composter donc du coup notre boîte et notre sachet à l'intérieur. D'accord. Voilà. Et ça c'est fabriqué à Cassis. Exactement, oui, chez moi. Chez vous? Oui, chez moi. Et en fait, vous faites quoi? Alors vous achetez le thé? Voilà, j'ai un fournisseur, on élabore les recettes ensemble. Et après je les reçois donc à la maison et je les mets donc en contenant de 100 grammes. Donc les contenants, c'est vous qui les fabriquez alors? Non, je les achète. Non. D'accord. Et là, pour l'idée cadeau, on fait un bain de pied au thé vert du Japon. Ah bon? Oui, je vous le fais. Ah oui, il faut me montrer ça là, parce que alors là... Et puis des cadeaux de dégustation dans des cubes. Vous l'avez ici. Ouais. Vous avez un cube de 20 grammes. D'accord. Vous mettez dans un récipient d'eau tiède ou chaude. Ouais. Vous le laissez infuser et vous mettez vos pieds pendant 20 minutes. Ça va permettre de détoxifier votre corps et de vous détendre. Ah. Voilà. Les Japonais le font toutes les semaines. Régulièrement. Oui. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ben c'est bien. Mm-hmm. Et alors là, vous avez fait un peu Noël avec le thé. Exactement. On a un thé donc spécial Noël avec du thé noir. Ah oui, c'est carrément le thé de Noël. Oui. Ah, d'accord. Et donc là, aujourd'hui, on fait déguster. Ouais. On offre le thé de Noël aujourd'hui en dégustation. Ah, très bien. Oh, c'est rigolo. Et moi, là. Des boules à thé. Ah, ce avec sont des pierres naturelles. Ah, oui. Ah. Oui, ça va avec. Quoi. Oui. Oh, très bien. J'adore les sapins. Ah ouais, non. Bon, bon, bah, du coup, si il m'a dit, il m'a dit, bah, il est pour son médecin, et son médecin, il a dit, il m'a dit, il Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes au marché de Noël de Cassis. Oui, oui, oui. Et tout ce que vous avez devant vous, c'est vous qui le fabriquez? Oui, 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 fabrication maison. Oui. Et c'est quoi? C'est une passion? C'est Noël? C'est plutôt une passion. C'est ouais, un peu les deux, Noël aussi. Il faut donner un peu de la joie à tout le monde. C'est ça, en fait. Oui. Et ça fait longtemps que vous faites ces petites choses? Non, ça fait un an et demi à peu près. Un an et demi? Un an et demi, oui. Et vous avez fait tout ça en un an et demi? Oui, j'en fais un petit peu tous les jours, c'est pas... Eh ben, dites donc, il y en a quand même beaucoup. Oui. Et l'idée, c'est que Noël. Vous faites pas autre chose que Noël? Non, on fait que Noël. D'accord. Et tout ça, ça devient des cadeaux? Ben les gens, pour la plupart des gens, oui, ils les achètent, c'est pour faire des petits cadeaux ou décorer chez eux. Pour Noël? Pour Noël, oui. Ah ben c'est bien. Oui. Donc c'est Noël à Cassis, en fait. Voilà, exactement, oui. Ce que j'aime bien, c'est le renne avec tout ça, là. C'est quoi, tout ça, là? Vous les faites comment, ces petites choses? Ça, c'est de la récupération. Quand on se promène, si des fois, il y a des gens qu'on fait du bois puis qui ne récupèrent pas. Donc, moi, je les récupère puis je fais des petites décorations qui est dessus. Donc, en fait, vous partez de récupération pour faire tout ça? Oui, pour faire tout ça, oui. Ah ouais. Et après? Faites voir comment c'est fait, tout ça. C'est très beau. Hein. C'est du bois. Ouais. De l'écorce, un genre d'écorce. Et puis...
Et alors, dessus, vous faites quoi vous... Et dessus, ben, je colle des petites décorations pour faire une décoration de Noël. Ah oui, d'accord. Donc les gens, ils peuvent mettre ça soit au pied de leur sapin ou sur leur table comme décoration. D'accord. Ah, c'est beau, hein. Il a fait sentir. En gros, il a fait sentir. Ça va ? Oh là là, le chien. C'est parce que je veux pas vous laisser partir. C'est trop... Bah alors on dit à tout le monde à l'année prochaine. Voilà. Donc rendez-vous le samedi 25 novembre, ce sera toujours sur une journée, ce sera toujours au même endroit et ce sera toujours avec le sourire et au plaisir de voir Mac Journal. Très bien, et ben joyeux Noël. Joyeux Noël un à petit tout peu monde. En avance. Oui, mais c'est pas grave, c'est toujours bien comme ça. Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année.